Victoire!
amené sur le premier ministre et le ministre de la fonction publique. C'est l'ingrat qui dit qu'il a oublié le premier ministre, c'est un pasteur qu'on a vu en face de nous. Il nous a donné des enseignements de la Bible. Monsieur le ministre de la fonction publique également nous a donné les enseignements de la Bible. Et enfin, nous voici avec cette victoire. Et cette victoire, c'est votre victoire. Mais on dit souvent que la victoire a ses pas. Aujourd'hui, quand on ne vous pas, n'hésitez pas avec nous. Aujourd'hui, soyez avec nous. C'est l'unité d'action qui nous intéresse. L'intérêt supérieur de la haine pour nous. Le reste, la partie pour nous. Son humilité s'est confondue à nous pour parler à Madame la ministre, même si cette victoire nous l'avons obtenue dans la douleur. Je l'ai dit dans toutes mes interviews, cette victoire nous ne la devons plus à Madame la ministre. Non. Si le mercredi ou le jeudi on l'avait obtenue, elle serait à son actif et on la fêterait ensemble avec elle. Où nous sommes aujourd'hui, le combat continue. Mais ce combat ne peut être mené que dans l'unité d'action que nous venons d'observer, que nous venons de faire montre. Merci à vous. Ce qui reste est plus est grand. Ce qui reste, vous voyez les joueurs, le trophée, il est difficile de le décrocher. Mais il est aussi difficile de le conserver parce que d'autres veulent l'avoir. Ce trophée que nous venons de prendre,
d'arracher au prix de notre vie professionnelle, d'arracher au prix même de notre vie, parce que certaines parmi nous ont été molestées. Parce qu'on est au ministère, un acte honteux pour la République. Je vais montrer le plus important en action. Mesurons notre langage. Au sortir d'ici, que nous sachions, n'est-ce pas, nous prendre. Que nous sachions, n'est-ce pas, nous gérer. L'euphorie, oui, bien beau, parce que la chose tant attendue, nous l'avons décrochée, même si c'est au prix de notre vie professionnelle, mais sachons, n'est-ce pas, conserver cette victoire. Comme le vendredi, une autre autorité nous disait, rentrez, il ne faut pas salir votre raison, il ne faut pas salir votre victoire. Cette victoire, elle est propre. Maintenons-la propre, sans provoquer l'autre. Le moment venu, nous allons vous dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, ce que nous vous disons, c'est de vous dire grand merci à vous qui avez été indignés. Parce que l'acte vendredi, c'est vrai, les médias l'ont relayé, mais nous, de notre côté, nous verrons. Quand le deuxième point sera engagé, c'est pour l'ouverture d'un cadre de dialogue, nous allons mettre ces points au cœur, n'est-ce pas, des débats avant de commencer à réfléchir sur les problèmes qui assaillent la maison. Aujourd'hui, nous vous demandons de rentrer tranquillement, mais demain, une assemblée générale se tiendra à la pousse du travail. Vous voyez à quel niveau nous prenons, n'est-ce pas, de là. C'est la hiérarchie sociale qui nous reçoit. Le général Amadou Diallo de la CNTG, avec les généraux des autres centrales syndicales, nous écouterons demain et nous orienterons, n'est-ce pas, sur la conduite à tenir pour le reste de nos démarches. Donc, pour demain, partons comme des enfants plus que jamais disciplinés. Des enfants, demain à 10h, je pense. Demain à 10h. Partons comme des enfants qui viennent écouter, n'est-ce pas, leur papa, qui viennent écouter leur maman. Et l'image que nous devons refléter demain, c'est cette image, n'est-ce pas, de travailleurs et de travailleuses responsables qui ont su mener, n'est-ce pas, ces mouvements à son bord. Aujourd'hui, les mêmes travailleurs qui ont obtenu ce résultat et nous venons le présenter, n'est-ce pas, à cette centrale syndicale. Pardon, merci de la patience. Aujourd'hui, loin de ce que les gens pouvaient penser, nous continuons avec nos services minimum. Oui. Vous savez pourquoi? Il y a un rédacteur en chef.
on irait raboter. Parce que pour la simple raison que nous, syndicalistes, ce n'est pas nous qui les avons bénis. Nous, syndicalistes, ce n'est pas nous qui les avons sanctionnés. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont été pour amener le risque de nous dire qui peut venir dans les installer, les réinstaller. Voilà. C'est vous qu'on a négocié pour couvrir la Cenamit, les médias étrangers. Dieu faisant la vérité a été venue, nous n'allons plus sur ce terrain. Mais sachez que madame, je ne sais pas ce qui va se passer. L'administration n'a pas de participer à tous les réunions. Nous, ici, nous sommes à fini, mais vous ne laissez pas. Je rassure bien à madame. Si c'était le jeudi ou le mercredi, aujourd'hui, on se dirait. Et où nous sommes, à l'issue de l'Assemblée générale de demain, nous verrons. Est-ce qu'il y aura réconciliation? Quel temps elle va prendre? Et on verra par quel mécanisme tout cela se passera et par qui tout cela sera mené pour aboutir à quoi? Où nous sommes maintenant, là, nous pouvons le dire. Nous ne pouvons pas nous quitter sans remercier. Sans remercier, vous savez, la personne, nous l'avons découverte, moi personnellement, le 14 mai, la célébration. La télévision nationale, nous voulons remercier à notre animal et l'âge Faniga. Il faut qu'on applaudisse très fort pour lui. Nous syndicalistes avions voulu aller sur un terrain de division, mais il nous a donné un proverbe ici qui nous a inspiré. Moi je pense que à vous, hélas, oui, sur le terrain religieux, d'aucuns diront que vous êtes seul. Nous, nous vous prenons, n'est-ce pas, des parrains religieux. Merci pour tout ce que vous avez accompli en faveur de l'Afrique. Et merci pour tout ce que vous faites. Vous avez passé des appels. Nous étions en réunion. Vos efforts, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas contents. Vos efforts, nous n'est pas à ce résultat. Parce que c'est l'eau et tout le monde pour reconnaître à toutes celles et à tous ceux. Je suis là, je suis pas trop.
camarade Abubakar, conseiller de monsieur le premier ministre en communication, qui demeure et qui reste l'un de nous. C'est compliqué, il ne s'est pas découragé. Parce que c'est lui qui était en train avec madame. Dès qu'il y a dysfonctionnement, monsieur le premier ministre, vous êtes allé voir madame. N'est-ce pas, monsieur Kamara, notre femme, nous vous connaissons. Ils sont nombreux. Le syndicat de la RTG est à vous, c'est entièrement à votre disposition. Est avec vous, partout ce que vous voudrez, il se mettra à votre disposition. Ce syndicat sera et pour vous, c'est que partout où vous ne serez pas, ce syndicat tiendra votre parole. Nous pensons que tout cela ne peut se passer que dans l'harmonie, dans la paix, dans le sens de l'écoute. Là, à vous, vos chers responsables sanctionnels, aujourd'hui rétablis, merci pour votre courage. C'est pas facile parce que c'est un spectacle. Le cas des traites. On a pris la tête.
Et là, il y a des gens qui sont en train de se faire.